Derrière son côté charmeur, se cache une débatteuse qui fait peur. Marie Montpetit. Am I being difficult? You just question your sense of self. You are treated like a hysterical woman from the second you walk in. Like nobody believed me. I felt retrievals. Crazy. The retrievals. Cybèle Olivier, journaliste à la recherche à Cube. Tu as une suggestion de balado pour nous, puis c'est ça qu'on entendait, The Retrievals? Oui, c'est ça, c'est la bande-annonce qu'on entendait, qui est un nouveau podcast. C'est podcast doux, hein? C'est joli. Oui, mais le sujet ne l'est pas, par contre. Ce qu'on entendait, c'est une femme qui nous dit « Je pensais que j'étais hystérique, les gens ne croyaient pas ce que je disais, je pensais que j'étais folle carrément. » Puis pourquoi c'est ce qu'on entend? Mais vous allez comprendre, le sujet du balado, c'est nul autre que la douleur des femmes, mais la douleur des femmes qui est ignorée. Donc, c'est un podcast qui est sorti en juin. On en est présentement au troisième épisode d'une série de cinq, sorti chaque jeudi. Et je vous en parle aujourd'hui pour vous inviter à aller l'écouter. Donc, The Retrievals, comme tu le disais. Donc, on entre dans l'histoire, un sujet, comme je le disais, qui est délicat. On suit, l'auditeur suit l'activiste Susan Barton dans son enquête sur ce qui s'est passé à l'université Yale en 2020 dans le réputé clinique de fertilité. Donc, c'est des dizaines de femmes qui racontent avoir vécu des douleurs atroces lors de la ponction d'ovules. Ça, c'est une des premières étapes de la fécondation in vitro. Donc, dès les premières minutes du premier épisode, les témoignages sont là et Marie... J'avais des frissons, je faisais des grimaces à entendre les femmes expliquer la douleur qu'elles ressentaient, la souffrance. Donc, toutes ces femmes qui se sont rendues là à la clinique parce qu'elles avaient toutes sortes de problèmes de fertilité, mais avaient tous un rêve, celui d'avoir finalement un enfant. Et donc, elles se retrouvent toutes à cet endroit-là, à la clinique Yale, pour faire cette procédure-là qui est invasive, qui permet d'aller chercher donc les ovules et les congeler. Je vous dis ça pour que vous compreniez d'où ça part, cette histoire-là. Les femmes... pour faire cette procédure-là, doivent être sous sédation. Donc, ils sont pas endormis, mais doivent quand même avoir... on leur donne du fentanyl, en fait, pour éviter la douleur. On leur dit qu'elles vont sentir juste une légère pression. Mais là, je te le dis, toutes ces femmes-là se ramassent en larmes, en souffrance, une fois rendues sur la table. Il y en a qui expliquent qu'elles perdent le souffle, qu'elles ont des douleurs atroces, qu'elles perdent connaissance. Et pour tout le monde, la médication ne fonctionne pas. Et c'est là... qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils ne sont pas juste allés chercher. Ils spécifient que ce n'est pas... Je vais faire un parallèle, mettons, la péridurale. Quand tu accouches, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. C'est vraiment... Ça fonctionne sur aucune femme? Ben, tu vas comprendre avec le fil des événements. Écoute, je bois tes paroles. Tout le monde se pose cette question-là. Okay. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Les femmes... en ressort traumatisée, pose la question. Et pour vous mettre un peu encore à nouveau dans l'ambiance, on l'a entendu un petit peu dans la bande-annonce, mais je vous ai sorti un extrait donc d'une des victimes, on l'appelle comme ça et on va comprendre pourquoi, une patiente qui nous explique ce qu'elle a ressenti. Écoutez. They started the procedure and, you know, I was just sort of taken by surprise, not expecting the excruciating pain. And just letting them know that, you know, I don't think the pain medication is doing anything. You know, it really feels like you're stabbing the needle. Donc, à quel point elle a eu mal, qu'elle avait l'impression que la grande aiguille qu'on rentre jusqu'aux ovaires, on avait l'impression qu'elle était en train de se faire poignarder de l'intérieur, rien de moins. Donc, bref, ces femmes qui ont mal demandent sans arrêt qu'on ajuste la dose de fentanyl. Souvent, on le fait, on leur répond ensuite, mais on peut pas aller plus loin, on peut pas vous en donner plus, c'est la dose maximale régie par la loi. Et là, au fil des semaines, ces femmes-là qui sont suivies dans l'histoire, ben eux, dans leur vie, dans ces quelques mois-là, vont parler à leurs amis, aux médecins, aux infirmières, se plaignent des douleurs et tout le monde, à chaque fois, commence à leur donner un petit peu des explications qui n'aident pas du tout, en fait. On essaie de comprendre pourquoi. En fait, on commence même à minimiser leurs douleurs, à dire que ben, c'est peut-être toi, tu sais, qui a une résistance différente au fentanyl. Une petite hypersensibilité. Oui, tu étais fatiguée aujourd'hui. Mon Dieu, qui est hormonal.
mal. Écoute, on les a toutes entendues, ces histoires-là. Okay. C'est là que c'est grave parce que toutes ces explications-là qui aident personne ne font que diminuer la femme. Bref, les femmes continuent de parler, continuent d'aller au traitement pour ça que finalement... Dans le fond, au lieu de légitimer leur douleur, ils font l'inverse. Mais surtout, essayer de comprendre. Mm-hmm. On se pose toute la question, comment ça se fait que les médecins n'ont pas réussi à voir que la dose de fentanyl ne fonctionnait pas pour toutes ces patientes-là? Et finalement, des mois plus tard, on apprend la vérité. Et donc, ce n'est pas un divulgateur que je vous donne, on l'apprend dans les premiers épisodes, dans le premier épisode, au début des premières minutes. En fait, c'est qu'une des infirmières de la clinique volait le fentanyl et le remplaçait par de l'eau saline. Alors, la procédure dont je vous parlais, je vous rappelle, qui est une aiguille qu'on rentre dans le corps de la femme. Toutes les femmes ont vécu ça. Je l'avais pas vu venir. Moi, je pensais que tu allais me dire comme c'est vraiment un enjeu de dosage, puis finalement, ça marche pas. Donc, elle recevait pas de médicaments. Aucune des femmes dans l'histoire n'ont reçu de fentanyl. Ils sont pas hystériques ou sensibles ou. Mais tout le long, dans tous ces mois, on leur a dit à répétition, t'es trop sensible. Le médicament ne te fait pas. Calme-toi, c'est pas si pire que ça. On leur prenait la main en disant, prends des grandes respirations, ça va aller, ma belle. À froid. Donc c'est une, ce deux, suit. Trois, sept, huit, dix, vingt femmes, puis il n'y a personne qui allume dans la clinique en disant, coudonc, c'est drôle. Hein? Il me semble que d'habitude, ça marchait bien. Puis là, c'est comme 100% des femmes. Exact. C'est complètement fou. Puis c'est, en fait, ça, c'est grave, mais c'est même pas là qu'on entre dans le vif du sujet. Le vif du sujet, qui est la douleur des femmes qui n'est pas prise au sérieux. Donc, on l'a entendu dans la bande-annonce au début, les femmes qui disent qu'elles comprennent pas comment elles peuvent avoir une telle douleur, qu'elles se sont demandé si elles étaient folles, si elles étaient même hystériques. Et donc, Suzanne Burton, dont je parlais, qui est la narratrice, fait donc un excellent travail pour tisser les histoires, pour montrer le manque d'écoute et surtout répondre à des questions sur la douleur comme... comment on la tolère, comment on l'interprète et comment on en tient compte aussi. Et surtout, qu'est-ce qui se passe lorsque la douleur, elle est minimisée ou bien rejetée. Donc, tu sais, c'est fou parce qu'on pense à ces femmes-là qui essaient de remplir un rêve dans leur vie, qui essaient d'atteindre quelque chose qu'elles sont pas capables de faire par elles-mêmes, qu'elles veulent des enfants, qu'elles sont capables de souffrir. Mais on suit aussi des femmes qui ont décidé de renoncer au fait d'être mère parce qu'elles ont trop souffert. Quand on leur a dit ça n'a pas fonctionné, on n'a pas été capable de faire la fécondation, faut recommencer. Elles ont dit non. Mm. Moi, je peux pas me remettre à ça en pensant que cette procédure-là était toujours aussi douloureuse. Ouais, t'as vécu un calvaire, t'as peut-être pas envie d'y retourner une deuxième fois, c'est ça. Ben, c'est ça. Oui, à cause d'une femme, mais aussi pourquoi? Ben ça, c'est un autre volet de l'histoire, parce que c'est quoi la responsabilité de l'institution là-dedans? On parle, je vous rappelle, de la clinique de fertilité de l'Université Yale, qui est quelque chose normalement de réputé. Donc, quelle est la responsabilité des institutions? C'est ce qu'on va découvrir dans le prochain épisode, l'épisode 4. Là, dans l'épisode 3, en fait, on a appris plus sur le procès de l'infirmière, qui était là, qui tenait la main des femmes, qui savait très bien que la femme était en train de souffrir et qu'elle n'en avait pas de fentanyl, mais alors elle lui disait de prendre des respirations puis de bien aller. Donc, on suit le procès et voilà, jeudi prochain, dans le prochain épisode, on va s'attaquer à la responsabilité de l'institution et qu'est-ce qui s'est passé pour que toutes ces personnes-là ignorent les femmes. Mais il n'y en avait pas quelques femmes. Il y avait des centaines de femmes, près de 200 femmes. Ça s'est passé quand, tu disais, Sylvain? En mai 2020. OK, c'est vraiment récent. Absolument. Pendant une période de 5 mois, donc toutes ces femmes qui allaient à la clinique et qui subissaient des atrocités. On parle de 200 femmes selon une enquête, mais les avocats qui ont défendu les patientes pensent qu'il y aurait même plus que ça, plus de femmes qui ont vécu ce genre. Peut-être c'est dû à d'autres types de procédures qu'elles ont subies sans fentanyl. Là, l'histoire ne dit pas selon les informations que j'ai recueillies, mais bref, énormément de victimes de ça, de douleur. Donc oui, c'est un sujet qui est difficile, mais qui est important parce que la douleur que les femmes ont, c'est un sujet qu'on parle souvent, particulièrement un sujet aussi qui touche à l'intersectionnalité, qu'on sait que les femmes noires, par exemple, ont une douleur qui est encore plus souvent mise de côté et qui est minimisée. Donc on entre dans toute cette atmosphère-là, cet environnement-là qui est atroce et qui converge vraiment toutes vers le même constat, même malgré les entrevues, malgré tout le monde à qui Suzanne Burton a parlé, ça revient tous à la même, tout à la même place, c'est que la douleur est minimisée chez tout le monde. Bref, intense, mais extrêmement bien ficelé. Ça s'appelle The Rich Rivals sur le podcast du New York Times. À écouter, vraiment. À écouter. Honnêtement, très, 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 très intéressant. Très intéressant. Je suis bien curieuse d'aller écouter ça. Puis, tu sais, ça en revient, tu dis, à l'enjeu de la douleur qui est souvent minimisée. Il y en a qui s'évanouissent. Bon, ben,
Tu vois, je dis presque, mais c'est carrément ça. J'ai une copine qui est médecin, tu sais, qui est spécialisée là-dedans, puis elle me disait, c'est vraiment quelque chose dont on parle malheureusement peu, puis qu'on connaît peu même comme femme, tu sais, puis chez les ados, des choses comme ça. Mais tu sais, elle me disait des douleurs menstruelles, des crampes, elle dit c'est le même processus que quand tu accouches. C'est la même, c'est des contractions. Donc, elle dit, il y a des femmes, ça leur fait tellement mal qu'elles ont des chocs vagaux, elles s'évanouissent. Donc, tu sais, quand on entre dans le débat de justement est-ce qu'on devrait donner des congés pour certaines femmes de maladies dans le cadre des menstruations parce qu'elles ont super mal et tout, mais ça aussi, c'est hyper invalidé parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on ne connaît rien là-dessus. C'est ça, je pense, surtout ça, qu'on ne connaît rien encore de la douleur puis de la douleur quantifiée à ce niveau-là. Parce qu'on est encore dans les discours que tu soulignais de dire, c'est peut-être parce que tu es un petit peu fatigué, tu es un petit peu plus sensible aujourd'hui, c'est pour ça que ça te fait plus exactement. Mal. Puis juste, peut-être, puisqu'on a un tout petit peu de temps, oui. Là, moi, je suis allée voir, en fait, c'était qui cette infirmière-là, puis qu'est-ce qui lui était arrivé. Mm-hmm. Donc, son nom, c'est Donna Monticone, ou Monticone, je ne suis pas certaine de la prononciation, mais bref, elle, en fait, la petite histoire, c'est qu'elle est devenue dépendante au fentanyl après un divorce qui a été catastrophique pour elle. Elle est tombée complètement au fond du baril, puis je ne dis pas du tout ça pour minimiser ce qu'elle a fait. Bref, elle est devenue addict comme ça et a commencé à voler le fentanyl. Et au départ, elle faisait face à 5 ans, donc une sentence de 5 ans. Et finalement, elle n'a passé que quelques fins de semaine derrière les barreaux, un total de 8 nuits. Puis elle a passé quelques temps après en détention à la maison. Donc, elle n'a vraiment pas eu une grosse sentence pour ça. Est-ce que tu sais si bien? Parce que est-ce qu'elle a été... Tu sais, moi, ce qui me questionnait là-dedans, c'est est-ce que ce qui est évalué, c'est le fait qu'elle ait volé du fentanyl? Daniel, ça, je veux dire, j'imagine que ça fait partie de l'évaluation juridique qui est faite. Ou les préjudices qu'elle a causés par ben la suite oui, sur la c'est santé. Ça, je l'ai pas lu, mais logiquement, dans une sentence, on prend tout ça en ligne de compte. Mais ce que j'ai lu, par contre, c'est que les gens auraient eu une certaine... auraient eu une émotion au fait que cette femme-là était une maman, une jeune maman. Et donc, le jury et même les victimes se seraient dit, ah, tu sais, pauvre elle, quand même, on comprend la détresse, tu sais, qu'elle a vécue parce qu'elle n'a pas voulu faire ça directement aux femmes. Elle s'est plutôt infligée ça à elle, mais malheureusement, les dommages collatéraux sont incommensurables. Mais j'ai pas les détails pour ça. C'est moi qui spécule. Mais le côté très émotif du fait que c'était une maman, ça, je l'ai lu par contre et qui aurait peut-être pesé dans la balance du côté du jury. Mais écoute, c'est atroce les dommages que ça peut faire. Puis en plus, les dommages psychologiques. Et on pense à ces femmes qui finalement n'auront pas d'enfants parce qu'elles ont vécu un traumatisme qu'elle n'aurait jamais dû vivre à ce moment-là. Bref, The Retrievals. Moi aussi, j'en ai une fois que je ne l'ai pas écouté encore, puis tu fais juste m'en parler, ouais. Puis j'en ai des frissons. Cybèle Olivier, recherchiste à la journaliste à la recherche. Merci beaucoup. Merci, Marie.